Voilà les mecs, fini de rigoler avec les petits, on va passer au gros pépère. Le seul endroit qui va être serré peut-être c'est au bout. J'arrive pas assez vite si j'arrive pas à faire glisser l'arrière. Sinon sur le reste du circuit, vous allez voir que ce gros bestiau est vraiment beaucoup plus maniable que beaucoup d'autres, malgré sa taille. Le Crichton là c'est sûr, c'est même pas la peine de le sortir ici, de l'essayer. Ça n'ira pas. Encore là par rapport aux autres, on a les pneus de MT standard, on va pas passer sur des picots ou quoi que ce soit d'autre. Là, je suis à peu près à 30% sur les gaz, pas plus. Bon, on remettra la table plus tard. Doucement, doucement, il y a l'alpha, il y a la maisonnette, on s'emporte pas mani. Plus dur, c'est pas la maniabilité de la machine, c'est le pilote qui veut en fait mettre gaz à mort et tout déglinguer. Thank you.
Et là, ça accroche. Alors imaginez, ce terrain est un tout petit peu plus glissant. On a vraiment aucun mal à faire le tour avec le gros bébé. Ah, un peu d'action. Et t'as vu, en fait, si j'arrive pas à tourner au bout, c'est juste que je freine trop tard. Regarde, tu le laisses filer et tu tournes et ça passe. T'as vu ça, JC? Je suis sûr qu'il y a JC là, qui est persuadé depuis le début qu'avec le X-Fax c'est impossible à faire. Je sais qu'il aime pas ce gros bébé, mais il sait pas pourquoi. Il n'est pas roulé.
Là, si je vous fais tout le temps le même circuit, c'est pour vous montrer la différence entre les différents véhicules. Et un petit point de comparaison. Parce que, évidemment, j'ai envie de changer le circuit, mais j'ai pas encore passé tous les modèles. Ah, tu vois ça, tu peux le faire avec aucun autre, avec ce si peu de distance. Il y a une fouf. Enfin, ferme à l'œuf qui te plaît. Manny s'emporte. Hehehehe
Alors, on va essayer de se poser sur la table en douceur. Ça c'est l'autre problème du X-Max, c'est qu'il dézingue tout.
Ouais, évidemment, j'ai pas boulonné. On fera ça un autre jour. C'est pas comme si on avait le temps tous les jours. Bon, on va se calmer. Ah, ça y est, elle est sortie la pierre, je trimballais depuis avant. Faudra essayer en 6S prochaine session. Bon, en 8 bridé à 50% au vario, c'est une idée aussi. Caramba! C'est chez moi, je fais ce que je veux! On est en coupure tranquille. Combien de temps on a fait? Bon, là j'ai fait le salopio sur les gaz quand même. 25 minutes. En faisant salopio sur les gaz, si j'avais fait tout le pack, je pense à la vitesse dont j'ai fait les 3 derniers tours là, pépère, on aurait passé les 30-35 minutes, je pense. On a des Jens Bashing 4056 à bord. Voilà. Tu vois, l'engin depuis la carrière n'a pas été nettoyé, ni rien, ni huilé, ni graissé. Et d'ailleurs, ça fait au moins 40 packs que je n'y ai rien fait à celui-là.
parce que c'est comme ça que je l'aime, en petit goret. Alors.